soir, nous allons revoir une deuxième fois, parce que c'est pas la première fois que nous le revoyons. On l'a déjà vu une fois on passe à la deuxième test qui cette fois-ci est finale, puisque on sait tous très bien que les DDFR vont sortir d'ici très peu de temps. C'est d'ailleurs la dernière journée que j'ai les bateaux de test. Salut Free. Yellow, si on salue Fred, coucou. Je les ai plus à partir de demain, donc à partir de demain, bah, les Ajax test. La mise à jour va pas tarder à sortir d'ici jeudi et on va avoir des marathons pour pouvoir avoir ces nouveaux navires du tier 1 jusqu'au tier 8, à savoir celui-là. Celui-là, qui sera vraiment le maximum qu'on peut avoir à l'occasion de cette mise à jour. Alors, à quoi ça ressemble? Ben, c'est relativement joli. On se retrouve avec 5 canons, dont 2 à l'avant, un en centrale et 2 à l'arrière. Des canons de sauvetage qui peuvent toujours nous être relativement utiles. On a toujours des paniers en osier qui servent pour les défenses. On peut voir qu'il y a de l'antière, mais aussi, surtout, 3 lance-torpilles, 2 ici, un de chaque côté, et un en centrale ici, juste au-dessus. Après, il y a le canon du milieu dont je vous parlais. Pourquoi tu reviens comme ça? Je vais pas terminer de faire le tour du navire. De l'entière, les deux derniers canons. Et enfin, du lance-grenade qui arrivera pour la 1.0, on va dire. Et un banc. Les bancs. Les bancs, c'est très important. Combien il y a de bancs? Alors, on a un banc là, ici, sous les canons. C'est l'idéal pour pouvoir passer le temps quand on tire. Les échelles, les bancs sont à l'arrière, c'est sur la plage arrière les bancs. Un banc là, on a un banc sous le canon arrière, ici, et on a un banc là, en symétrie par rapport à l'autre, qui nous pousse donc à trois bancs en total sur le navire. Trois bancs, deux échelles, il y a des matelas. Sais pas à quoi ils servent. C'est pas des matelas. Je pense pas que ce soit des matelas. Allez, passons par ses caractéristiques maintenant. Des canons en 5, canons de 139 qui tirent toutes les 6 secondes. On peut avoir un boost de consommable 50% pendant 15 secondes. Ce qui le rend mieux que le Mogador techniquement. Parce que le Mogador tirait toutes les 4 secondes du coup, puisqu'il a un des canons toutes les 8 secondes, elle lui tire toutes les 3 secondes. Tire toutes les 3 secondes. Donc là, on est toutes les 3 secondes pendant 15 secondes. Donc du coup, on a droit à 5 salves assez rapides. On a 18 500 points de vie avec une armure en papier d'aluminium, c'est normal, c'est un DD. Des torpilles qui sont encore une fois mieux que celles du Mogador. On a les mêmes caractéristiques, mais la dissimulation de la bestiole est bien meilleure. T'as vu un banc en avant? Non, 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 ça c'était pas. Oh, attends, un banc. Ouais, là. Il y a un banc là, et donc sans doute un banc là aussi. Il y a deux bancs à l'avant, en plus, qui sont cachés. C'est important, les bancs. Les bancs, c'est important. C'est le Steph Quick. C'est pour regarder les marmottes quand on va à 59. Ça sert à ça. Je disais donc, les torpilles sont mieux. Pourquoi? Parce que la dissimulation du bateau est meilleure. 6-4. C'est pas 7-1. C'est 6-4. 6-4 pour 8, ben j'ai plus d'espace pour pouvoir tirer mes torpilles tranquillement toutes les 81 secondes. Donc
chouette. Je tire à 13 km de base, mais avec un peu d'entraînement du commandant, je tire à 15, 7, et je vais à 44 nœuds, 8, avec un boost de 20%, je dépasse allègrement les 50 nœuds. C'est donc un très bon navire que nous avons là, et je vous propose de voir ce qu'il donne en combat. Dans mes souvenirs, c'était très bon. Alors ils ont changé quelques petites choses, ils ont changé la visibilité des torpilles, qui sont maintenant plus visibles, de peu, 200 mètres plus je crois. Oui, l'Antelis, la Midway, voilà ça c'est le pire kamikaze streamer. Deux minots, ça va être fun, elle va être fun. Un black, ça va être fun cette partie, elle va être vraiment très bien. Je sens la partie fun and engaging mechanics. Alors le but c'est de le jouer à la russe hein, dans un premier temps, c'est le Sergio. Je vais aller du côté de A. Je suis pas frère. C'est le problème des T8 de matchmaking, ouais. Alors, les pirates des mers sont en train de rechercher des gens. C'est sûr, c'est pas toujours drôle, mais bon, là c'est le porte-avions qui va m'embêter parce que je n'ai pas de smoke comme d'habitude. J'ai un boost moteur, 5 reloads pour tirer plus vite. Et puis après, c'est un peu tout quoi. Il est là-bas, tout au bout. Vous m'avez pas dit mon nouveau set écran, ce que vous en pensez. C'est minimaliste au niveau des infos, mais au moins il n'y a pas de bande noire ni à gauche ni à droite. On voit tout. Et vous avez même mes dommages. Le work in progress. Tout est bon. Ça y est, j'ai des torpilles. Un giveaway qui est en cours pour gagner des packs de camouflage. De la bonne et je ferai deux tirages. N'hésitez pas. Ouais, pour avoir un angle avec tous les canons qui tirent, je dois tirer comme ça. Si je tire comme ça, j'ai mon canon. J'ai un canon qui tire plus si je tire trop devant. Il peut pas tirer à cause de la tour. À cause de la tourelle entière, il peut pas tourner plus. Après, j'ai que les trois canons avant qui tirent. Les deux canons arrière tirent plus. Allez, il est l'heure de commencer à tirer. On va aller plus vite. Et on va tirer. Enfin, si on tire mieux dessus, ça peut être mieux. Alors je booste à 51 nœuds, 52, 53. À 55 hein, je pense, ouais. Je vais tirer derrière. Mon but ça va être de soit chasser le porte-avions. Kronstadt là. Salut 1-1. Soviet Soyuz. Marche arrière. Marche avant. Ça va, il va pas vite. Ah mince. Il refreine à nouveau. J'ai un troisième set de torpille, mais j'ai pas envie de l'utiliser.
Alors, est-ce qu'il se les prend? Il fait marche arrière. Elles vont trop vite. Elles vont vraiment trop vite. Une. Cronstadt à 11. J'ai peur que lui me... Il a des canons qui sont pas bons. Il me tire dessus, il tire pas sur l'autre. Je pousse tout le monde à partir loin. Voilà, il a un cerveau, il a tiré comme si j'allais vite. Salut Touti. Sauf que j'ai freiné. Alors je me tiens loin. Pourquoi je me tiens loin? Je fonce tout. Je vais reculer. Je suis demi-tourné. Je suis beaucoup plus vite que lui, de toute façon. Je retourne. Essayer de taper. Minotaur. Il y a un cuirassé là. On a perdu le Kronstadt. Le Kronstadt, c'est comme s'il n'était pas là. Il est tellement loin. Tellement loin. Je vais aller faire un tour. Oui, ok. J'arrive. On va aller chasser le DD qui traîne. 45. 45 nœuds. Tout en étant relativement discret, parce que 6-4 sur un œuvre, c'est bien. Hein. C'est vraiment bien. Je fais attention au Kronstadt qui pourrait me... C'est l'heure d'aller vite. Merci Sergueï 1304 pour ton follow, bienvenue à toi. Il a 155. C'est un GK. Je suis radar. Mais bon, il est tellement loin que vite on l'oubliera. On repère plus en cap. Et voilà. Ah, peut-être une petite. Non, il va l'esquiver. Même en marche arrière, regardez-moi ça. Marche arrière, ça va tout seul.
année secondaire. Ça y est, on a déjà récupéré. Sauf que je suis trop loin. Je vais aller dans B. Il va reculer. Dans une game en T10, je dois quand même jouer sur ma discrétion. De toute façon, après on pourra les grinder. Hein. Désactiver, ils sont tous remontés très haut, très très haut. Je tire pas, je vais caper les zones. J'aurais pu très bien pu aller chercher Il reste 2 DD hein. Là. Voilà, derrière Indre. Je sors. C'est moche. Mais tant que je suis repéré. Voilà pourquoi je voulais. Je vais être repéré. Je sais pas où se trouve l'autre DD. Il faut que je prenne le point. Petit cuirassé là, il y a Liam, mais Liam, je pourrais pas le chercher, je pense pas. Ouais, j'aurais cherché C, mais je... Ah ouais, le DD, ok. On va les prendre les deux. On va les prendre les deux. Tout va bien, il y a le DD qui est là. Ils peuvent plus m'avoir, sauf si le porte-avions vient me chercher spécifiquement. En 20 secondes, je suis vraiment obligé de freiner. D'ailleurs, en ce moment, il est occupé, le CV. C'est bien occupé. Hein. 13 secondes. Ouais, je pense qu'ils vont nous faire de l'explication, enfin j'espère. Allez, on accélère. Boost moteur activé. On met la dash. La wesh, les coucou. Ça y est, je suis déjà à 40 nœuds, ça va très vite avec un boost. Oui, il s'intéresse pas à moi. Parce qu'il a des. Il a des. Comment ça s'appelle? Il doit avoir des menaces plus près en fait. Et ou simplement il se dit qu'elle a déjà perdu. Regardez, tu peux trahir tout ce que tu veux, mais à 3 contre 7-8, c'est clair, c'est perdu. Le canon tourne assez lentement, je vous le concède. C'est pas génial. L'avantage de se destroyer, c'est qu'on peut contourner des zones. Il veut faire des dégâts. La victoire est à notre portée.
Je monte le chercher. Je sais pas où est le TD, je sais pas où est-ce qu'il se cache. Notre équipe a pris l'avantage. Ah, il reste plus que le TD. Bon bah il reste plus qu'à attendre gentiment que ça se termine quoi, en clair. J'ai bien pris cher. On va essayer de faire un test boost, voir à combien je monte au final. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir, j'ai toujours tourné avant. 53,93. Ça monte, 53,5. Mais ça fait pas 20% par rapport à 44. 20% de 44. Avec flag, bien sûr. Toujours avec flag. C'est flag de vitesse sur tous mes navires. Alors voyons voir. Bon, j'attends clairement la fin là. Il est là-bas. Je pourrais m'amuser à le tirer dessus. On a dit, il allait à 44 quelque chose. Et ils ont la particularité d'avoir un boost de 20%. Même 44. Ça fait 8. Ouais, ça le pousse à ça, ça le pousse 20%, ouais, ça le pousse à 50, c'est bien ça, ça fait 8,8. Pas de chose pour ça. 53, 5. On est pas d'accord. J'ai fait 5000 XP sans flag, sans rien. J'ai pas mis de flag d'XP là. 1914 de brut, une belle game. Je suis troisième parce que j'ai pas fait assez de dommages. J'ai fait de la cap. J'ai fait que 36k de dommages. 2 caps, 1 kill. Ok, bonne nuit, ça ferait à 10. Je relance une. Ah, j'aimerais bien changer de matchmaking un peu. Le clavier me fait chauffer. Ah ouais, terrible. Alors, vous êtes nombreux à avoir pris un ticket. Non, pas assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes qui participent. Ah, voilà, c'est un peu mieux. Un porte-avions, mais un porte-avions T6. Et on est en T8. Donc, on est top tiers. Oui, 8 ans. Dans une autre vie, il y a très longtemps. J'avais déjà passé. Ceux-là, ils n'existaient pas encore en fait. Je les ai récupérés après avec un camarade qui m'a laissé envoyer. Non, c'est point d'exclamation. C'est. Donc, t'es deux terribles en division avec un cossack. Chose gaffe. Bada. Badef. Et Bada. Disons ça quand même, nom d'équipe. Je vais éviter A sans support. On va se concentrer plutôt sur.
les voilà déjà, ils vont se disparaître. Et ça capte. S'amuse à faire des capés, c'est l'autre qui l'a. Terrible de la smoke, Je sais pas où ça sort, mais pourquoi on a le Bismarck qui continue, tout droit, aucun support, c'est pas grave, il y va quand même. Je vais allumer mon entière. Bonjour. Ah oui, t'es sur console en effet, oui. Les codes fonctionnent pas. Je vais voir pour un. Alors, il y a 3 TTI qui sont ensemble. Ensemble en ce moment, il faut voir ce que je peux faire avec les zones. Mine de rien, le bateau est quand même assez. Ben, discret, c'est con, mais 6-4. Je vais voir tout de suite. Repéré ou pas, c'est quand même un Bayern qui se dirige vers nous. Non, elle retourne, je cape, je vais essayer de le mettre à 8 bornes, il s'en va, faut pas qu'il fasse demi-tour. Repérer. Ouais, on a l'habitude de tirer sur des bêtes comme moi. Terrible. Il me démonte la tronche. Sans passer mes torpilles, je sais pas, mais ça a pas marché. Je vais aller sur A plutôt. Ah, je me suis fait démonter. Ouais, sauf que là c'est deux terribles, donc les mecs ils savent jouer quoi. Mais ils savent jouer leur navire et ils savent tirer sur des FFR, donc je te vois que là j'ai vraiment bien pris très cher. Un Charles. Charles, il va faire demi-tour.
Notre Tété est en train d'enfoncer là-bas, mais du coup, il n'aide pas à la vision. Il faudrait quelque chose comme un japonais. Va venir. C'est vraiment l'avantage des trois torpilles. Chercher. Ça craint. Réussir à caper parce que j'allais trop vite. Il y a trop de monde sur moi. Barianne s'est mis de face. Il va tout se pas esquiver mes torpilles. Ce qu'ils n'attendent pas, c'est que je passe derrière eux. Quand il y a le TD, lui, il sent sans doute très très bien. Ça va, le TD a tourné aussi. Oh la vache, il a tourné. Pas le pire. Je vois vraiment tout le monde, ils sont tous en train de tous se jeter sur moi, c'est fou ça. Je vais mourir, ça va être très rapide. Oh, les torpilles. Les torpilles font mal, il y en a partout. Dans tous les sens, je peux plus réparer. Je vais mourir. Même pas. Bah si, quand même, à la secondaire, je pense. Ça aurait été fun. Vraiment passer derrière eux.
J'étais entre eux et nos forces qui sont en train de faire une sorte de pression sandwich, c'est amusant. Il faudrait quand même qu'on arrive à caper plus de porte-avions, j'ai réussi à leur... On a quand même la capacité avec ce navire de se retrouver dans des endroits vraiment très très éloignés. Salut Spirodex. Des endroits vraiment très très éloignés. Et il faut faire attention à sa minimap, pourquoi du coup. Hello Crosswalks. Allez, on va finir par la gagner. Et le risque de mourir isolé, oui, c'est vrai, mais l'avantage, c'est que tu peux, par exemple, reprendre des caps qui sont plus gardés, quoi. Parce que à aucun moment, ils pensent que tu passes derrière. Ou tu peux sortir comme une nouille de la cape en croyant que t'allais caper à temps, et au final, tu vas beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, tu capes pas comme je viens de le faire là. Je suis sorti, j'aurais pu attendre. Et elle n'est pas gagnée parce qu'ils sont vraiment très très serrés les uns les autres. Il n'y en a toujours pas de cap parce que le Lightning se fait voir alors qu'ils n'ont plus de porte-avions. Il serait peut-être temps de caper cette zone, non? Ouais, le loot se pop sur mon visage un peu. C'est pas grave. Après, si je le mets ailleurs, on loupe des informations. Je pourrais descendre un petit peu maintenant que j'ai changé le... Je pourrais le descendre un peu. Comme ça, il popera moins dans mon visage. Plus encore, ça cache le chat. Ah, ça y est, on a enfin capé un truc. Prof, cross-stop dans tous les sens. A été esquivé quoi. Ah, puis moi, peut-être s'en prendre une. Ils sont aux aguets sur les torpilles. Hein. Ça fait un peu 4 tiers en vrai. Moi, je suis en 1920 par 1200 pourtant, hein, normalement. Vous avez pas des bandes sur le côté comme moi. Oh, dodge this one. Il y a un peu trop de torpilles partout. C'est fou ça, il repasse à l'attaque. Je savais que les terribles allaient nous poser des problèmes. Alors à ce point-là, là c'est de 1920 vers 1080. Ah oui, en 16-9e.
Ouais, mais mon écran, moi, c'est un 1920 par 1200. Alors, ça m'arrange de passer en 1920 par 1200 parce que je suis en full écran. J'ai un 16 dixième, qu'est-ce que j'y peux? On va la perdre sans rire. Ah, ils sont vraiment tous très low life. Regardez-moi comme ils sont tous très low life, c'est fou. Hein. Il ne manque vraiment pas grand-chose pour qu'on puisse la gagner. Oh non, touche, lightning. Tu vas te faire démonter par le terrible. cent vingt-cinq points de structure. Ça s'est joué à tellement peu de choses. Il va sortir. Si les Ryucho jouent de la... Ryucho à la secondaire. Torpilles de terrible sont trop rapides. Ah, il va esquiver le top. Oh, attention. Allez, Ryojo. Ouais. Ah, sexy survie. Alors, combat d'un Bismarck en marche arrière contre notre Gneisenau en marche avant. 6000 contre 5000. Te mets pas en... Non, pas trop. Oh lolo lolo, on n'est pas passé loin, la catastrophe. Par contre, arrière, Bismarck. C'est catastrophique. Non, on ne meurt pas. C'est fini. Adieu. Si t'angles pas, un temps soit peu, t'es mort. Quel dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je suis loin derrière parce que j'ai pas pesé assez sur la game. Salut Tino XYZ. C'est quoi tous ces bateaux que je sens comme moi, je sais pas pourquoi. À l'Ohio, pour l'instant, il est en. Le Vauclin, il est T7. L'Ohio, c'est je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je sais qu'on y avait accès en PTS. C'est quoi un super géorgère avec les mêmes secondaires que le géorgère? Non. Le Fantasque est bon, le Vauclin est un peu moins bon. Coq de Montana, gun de géorgère. Un Montana avec des canons secondaires aussi. On l'aura en test bientôt, je pense, puisque maintenant on l'a en. On l'a en. Comment ça s'appelle? En PTS. Secondaire et boost aussi, mais à vérifier. De toute façon, T4, la secondaire de Georgia, je sens que ça va être mon meilleur ami. Hein. Moi, tous ces genres de navires, hein, Mass Machosette,
chaussettes, Georgia, j'adore. Ah, si j'ai une texture la 8-6. Ah, la 8-6, c'est celle qui arrive. On est en 8, on est en 8-5 là. La 8-6, c'est la prochaine. Donc, on l'a fait jeudi ou vendredi. Salut Skippy, je me ferai un plaisir de tester ça. Vous vous doutez bien. Alors, on est en T6, T8 avec un implacable. Du FR, tiens. Elle jette sur moi. Super. Je suis content. Oh non, ça tourne. J'ai activé le boost pour rien. Vite chasseur. Ça commencera à faire beaucoup quoi, c'est ou la coque ou la vitesse. Mais... Allez, après cette partie là, je fais un tirage. Ouais, j'ai assez de monde pour pouvoir tenir le choc. D'entier à côté de moi, le graphe. Personne s'y colle là dans la zone, bravo. On a Anakatsuki Gangaedi. Personne cap. C'est un bienvenu qui cap. En tout cas, vous aurez remarqué que les Naval Legends sont tous sur des sous-marins actuellement. Peut-être qu'il y aura un message. Je sais pas. Ouais, je fais M7 au but. Ils sont tous allés majoritairement sur A. Je peux aller chercher le porte-avions. J'aurais boosté tir, j'aurais pu le shooter. Je vais passer par là comme ça.
se cache pas là. Masse ici qui pourrait sortir. Manque de canon. Il sort. Incroyable. Allez, nanu, mon Dieu, fais quelque chose. Boost moteur activé, j'arrive quand même à avancer vite. J'arrive à 40 nœuds, moteur cassé. Tu vas bien finir par faire demi-tour à un moment donné ou pas. Et il va aller jusqu'où comme ça? Laisse-moi caper à tranquille si tu veux. C'est pas mal. C'est ça le truc, moi derrière KPA, derrière tout le monde. Ça y est, il tourne. Là-bas. C'est vrai qu'on en fait des bornes. Par contre, je baisse pas sur la partie quoi. Ah. Voilà celui qui m'intéresse. Il a mis des gaz. Il se demande pourquoi on le voit. Tiens, il vient me chercher.
Il vient m'envoyer le reste de la cavalerie, le bombardier. Putain, le Charles Martel. Salut, à la prochaine. Voilà, boum. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis juste pas mort. Le porte-avions en a juste marre de moi, par contre. Allez, viens, reviens. Il y a un Humber qui arrive. Oh, cette fois-ci, c'est fini. Je me voyais mort. Hein. Torpille 11. Pas mort. Ah, il est passé de l'autre côté. Il me reste tellement peu de points de vie. Oui. Et oui, il a fini par m'avoir. Allez, la touche très vive. Prends-toi mes torpilles. Oh, elles sont très rapides, mes torpilles. Elle va plus les prendre sur la demi-tour. J'ai pas de smoke. Ça, c'est dans mon bureau actuellement. 6 mètres carrés. Hein. N'oubliez pas, deux ordinateurs qui tournent dans un gaming. Avec un ventilateur, mais ça on s'en fout, il fait 32 degrés. Hey, il est l'heure pour moi de vous laisser, je vais quand même regarder voir mon score d'équipe. Je suis deuxième. Il fait chaud, hein, 6 mètres carrés, ça chauffe très vite. Hein. J'ai l'habitude, hein. C'est les ordi qui chauffent. Du chauffe 6 mètres carrés, ça chauffe très vite. 18 000 sur le Charles Martel, 5 000 sur le Gnevny, ça marche drôlement bien. 4 600 sur le Mas et que 3 009 sur l'implacable. Ah, c'est bien en hiver, ça on est pas d'accord. Bon, bah, il est pas mal, il est pas mal du tout. Ce petit fantasque, je le trouve bien. Est-ce qu'on peut vraiment appuyer sur une partie Des fois c'est dur de pouvoir torpiller, même avec notre dépassement là, entre 6, 4 et 8, mais c'est pas faisable. On va faire un tirage pour savoir déjà qui quoi ou comment. Ah voilà, vous êtes bien, beaucoup de personnes. Allez, je vais regarder pour prendre un copier-coller, ce qu'il me faut. Laissez-moi voir. C'est ici. Ça, c'est les avant-derniers. Ah, pour la promenade en famille avec le dimanche, avec ses bancs. C'est tellement vrai. Ah ouais, j'en suis là. Donc là, je vais faire comme ça. Je prends le dernier d'ici et après j'en ai plein d'autres. Et donc le premier vainqueur c'est Epic Vince. GG. Je vais aller là, chercher là, taper EP
Il n'y a plus des pickpins qui traînent dans les utilisateurs. Il est plus là. Il était là et il est parti. C'est dommage. Un autre, alors, on fait un autre tirage. C'est Steph Quick. GG. Steph Quick, lui, il est là. Voilà, un code. Et maintenant, il m'en faut un deuxième. Ici. On va taper, on va marquer quoi? On va les marquer là. C'est copié, c'est bon. Alors, un deuxième, attention. Et c'est Captain Jampa, des noms qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce qu'on a un Captain Jampa? Oui. Jamais gagné, de mon souvenir. Il a GG. Et voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Demain, je sais pas ce qu'on fera. On fera sans doute de la bataille aléatoire avec des nonothéistes s'il y en a dans le coin, vu qu'on n'a plus les bateaux de test. En attendant la nouvelle mise à jour, est-ce qu'il y a à faire? Je crois que je dois avoir des conteneurs à récupérer. Récupérer un conteneur, des consommables. J'ai 20 de conteneurs, on va tout ouvrir. C'est tout, j'en suis plein, tout ouvert. On a gagné des trucs. 1500 de charbon, 2500 d'XP libre, 200 000 crédits. Un post-apocalypse, un type 5, type 2, type 1, tout un tas de flags, des choses et tout un tas de. Tout un tas de gonzesses. Ok, très bien. Bonne nuit tout le monde et à demain plus plus.